Cher ami Bayemi, merci d'avoir accepté cet entretien, ou plutôt cet exercice de géocréativité. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs votre concept de géocréativité? Merci de cette question très importante. Alors la géocréativité, c'est le nom que j'ai donné à cet exercice intellectuel que nos ancêtres ont pratiqué depuis au moins 100 à 120 000 ans. C'est-à-dire tout le temps que nous avons passé à bâtir la civilisation africaine que les gens connaissent pour la partie qui a été développée dans ce qu'on appelle l'Égypte ancienne. Parce que c'est la partie la plus visible, mais c'est la même culture qu'en Afrique, profonde, en Afrique jusque dans les grands lacs. Alors, la géocréativité plonge ses racines dans la spiritualité africaine. Et la spiritualité africaine, c'est tout simplement la science, les mathématiques, la géométrie. Deux éléments très importants pour comprendre le fonctionnement de l'univers et établir cette relation avec Dieu et nos ancêtres. Ensuite, cette science donc, c'est le résultat de cette recherche multimillénaire. Et la géocréativité donc est un exercice intellectuel et scientifique de réflexion et d'action qui donc permet de pouvoir répondre aux questions sérieuses qui concernent les communautés humaines et puis les États. Alors donc, cette manipulation rationnelle des concepts, de la connaissance, se fait dans le but de poursuivre l'objectif clé de la civilisation africaine qui est de générer et de préserver la vie sur Terre. C'est ça le fondement et l'objectif majeur. On peut tout oublier, mais il faut surtout pas oublier ça. Donc, générer et poursuivre l'existence sur Terre. Alors, donc cet objectif donc de génération de la vie et de sa préservation sur Terre se réalise dans un cadre qui est celui de la loi universelle, L majuscule et U majuscule. Cette loi universelle, c'est ce que vous connaissez de manière commune sous le nom de Maat. Donc, cette Maat a deux concepts clés qui sont ceux de la justice et la vérité. Donc, aujourd'hui, au XXIe siècle, les intellectuels africains devraient pratiquer la géocréativité au lieu de la géopolitique, qui est son exact contraire, c'est même son opposé. Vous êtes africain du côté du Cameroun, chercheur et théoricien. Après une vingtaine d'années de recherche sur l'Asie, vous construisez un modèle théorique sous le nom de principe de Peetje. Il est maintenant disponible en français et en anglais sous le titre de principe de Peetje. Le grand secret de l'Asie, Peetje's principle, the great secret of Asia. Alors, monsieur Bayemi, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce principe de Peetje? Et quelle en est la thèse centrale? Le principe de Peetje, c'est le nom que j'ai donné à la théorie que j'ai développée à la fin de mes recherches. Et cette théorie, donc, est une loi historique, générale et opératoire, donc qui règle et unifie toute l'histoire de l'Asie, et en particulier la partie du Nord-Est, donc qui concerne les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Alors, quelle est la thèse centrale de cette théorie de Peetje? Donc, le principe de Peetje dit que l'histoire de l'Asie, toute l'histoire de l'Asie est fausse. En fait, c'est une construction intellectuelle, une commande donc, du pouvoir central chinois, donc une construction politique et religieuse qui est faite d'événements historiques inventés et un mélange de vrai et de faux qui constitue donc l'essentiel, la chair des documents anciens chinois sur lesquels repose l'écriture des histoires nationales dans toute l'Asie. Alors, cette fabrication de l'historiographie a été nécessaire pour les Chinois? C'est principalement pour effacer, pour cacher les génocides qu'ils ont perpétrés pendant au moins 1500 ans sur la partie de l'histoire que j'ai étudiée. Et ensuite, effacer les peuples noirs qui ont créé, développé et diffusé toute cette civilisation qu'on appelle aujourd'hui asiatique dans tout le continent. Et troisième chose, installer le peuple chinois au centre de l'histoire de l'Asie et à travers le symbole que tout le monde connaît qui est celui de Chine, empire du milieu. Donc, le peuple fondateur de l'histoire de l'Asie, peuple diffuseur de l'histoire de l'Asie. Donc voilà le résultat de cette fabrication de l'histoire.
ces peuples qui ont donc qui sont à la base de l'histoire et de la civilisation asiatique sont des peuples noirs de culture africaine. Ce sont les fondateurs de l'État du Japon actuel, c'est-à-dire ses institutions à partir du 3e, 4e siècle. Ce sont les détenteurs de toute la civilisation, c'est-à-dire les institutions, surtout religieuses, politiques, toute la culture qui est aujourd'hui revendiquée par la Corée du Sud. Parce que c'est le choix qui a été fait par les fondateurs de la dynastie Joseon à la fin du 14e siècle. Ensuite, je peux continuer comme ça, c'est Koguryo par exemple, le Koguryo qui sont les ancêtres des Coréens du Nord. Koguryo a basculé dans la culture africaine totalement à la fin du 4e siècle, jusqu'à leur destruction à la fin, dans le dernier tiers du 7e siècle, c'est-à-dire en 668. Alors, le principe de Pekché se termine avec cette conclusion que la crise nord-coréenne que nous connaissons aujourd'hui au 21e siècle et toutes les tensions qui ont lieu entre la Chine, le Japon, en tout cas dans cette région, sont une conséquence directe des génocides dont je viens de parler et des tensions qui ont eu lieu dans le passé. C'est le facteur explicateur de la haine qui existe entre tous ces États, entre tous ces peuples. Donc, pour pouvoir sortir de cette crise politique et de manière générale, pour détendre l'atmosphère entre tous ces peuples, il faut revenir aux événements du passé, mais de manière scientifique et sincère. C'est la seule solution. Soit ils suivront cette voie de sortie par les moyens et par le mode qu'ils choisiront, ou alors on continuera avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les essais nucléaires, l'armada américaine qui déporte ses avions, ses porte-avions et tout le reste, la Corée du Sud et la Corée du Nord et le Japon qui se préparent. Comment en êtes-vous arrivé à la recherche puis à travailler sur l'Asie? Oui, effectivement, ce qui m'a mené à la recherche et à l'Asie, c'est un projet littéraire que j'avais sur la culture coréenne que je voulais raconter à travers la littérature. Mais les documents disponibles pour le grand public et même pour les chercheurs ne me convainquaient pas. Alors j'ai décidé de lancer des recherches par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années. Et ce sont ces travaux qui nous ont amenés, à écrire le principe de Pekché. Du coup, pour faire vos recherches, quelles ont été vos sources? Je vous disais précédemment, cette recherche est née d'un projet littéraire que j'avais pour raconter l'histoire coréenne. Donc, lorsqu'il a fallu mener la recherche par moi-même, dont j'avais commencé par les sources secondaires, c'est-à-dire les essais qui sont disponibles pour le grand public. Lorsque j'ai commencé la recherche à proprement parler, la recherche fondamentale, je suis remonté vers les sources. Alors, les sources primaires, ce sont tous les textes qui racontent l'histoire des différentes dynasties chinoises. Et je me suis particulièrement concentré sur les dynasties du nord de la Chine d'aujourd'hui. Parce que ces dynasties-là, ce sont des dynasties africaines. Les institutions fonctionnaient selon un mode africain. Donc ces documents sont très importants. Les sources primaires également, c'est celle du Japon, hein, avec des textes comme le Nihon Shoki, qui est vraiment un classique, mais qui est un texte très important parce que c'est le texte le plus ancien. En Corée, c'est par exemple le Joseon Shilok. Joseon Shilok, ça c'est en coréen, ça signifie le texte de la dynastie Joseon, donc l'histoire de la dynastie Joseon qui commence à la fin du 14e siècle. Et cette dynastie est la plus importante parce que c'est elle qui se termine, à l'orée du 20e siècle, c'est-à-dire en 1910, et qui contient l'essentiel de ce qui est aujourd'hui la Corée du Sud et même la Corée du Nord. Et donc c'est à la naissance de cette dynastie que le ciment culturel, spirituel, religieux, politique de la Corée d'aujourd'hui a été fabriqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fait artificiellement, c'est une construction. Ensuite, j'ai parlé du Japon. En Corée du Nord, c'est un peu à peu près les mêmes sources parce qu'ils se sont juste séparés dans les années 50. C'est la même nation, il y a deux peuples différents, mais c'est la même nation. Ensuite, très important, il y a l'ethnologie. J'ai fait de l'ethnologie vivante parce que j'ai vécu avec les Coréens et les Japonais. Donc j'ai obtenu des informations de l'intérieur par l'observation et par le vécu avec ces populations. C'est une source d'information très importante et qui me permet moi de faire la différence avec les autres, avec des chercheurs qui travaillent sur le même sujet. Pourquoi ? Parce que 90% à peu près de l'information sur ces peuples-là, c'est-à-dire la Chine, le Japon et les deux Corées,
est, se présente sous la, sous la forme non verbale. Ce sont des informations qu'on ne trouve pas dans les textes, ni dans les journaux, ni nulle part. Il faut vivre à l'intérieur de la famille, il faut vivre entre Japonais, entre Coréens, entre Chinois, pour savoir comment ils fonctionnent, c'est-à-dire pour réaliser à quoi correspond leur univers mental. Voilà, voilà le mot l'univers mental. Donc j'ai leur univers mental. À partir de cet univers mental, je peux discriminer les informations et savoir ce qui fait, ce qui correspond à de la propagande et ce qui est plus proche de la vérité. Donc ces éléments-là, voilà un petit peu mon viatique, voilà un peu les instruments que j'ai utilisés, les éléments que j'ai utilisés, en plus de la culture africaine qui m'a permis de tout mesurer. Ce sont ces éléments qui m'ont permis de faire cette recherche et d'aboutir aux résultats que vous connaissez. Qu'en est-il de la méthode suivie ? Avez-vous une idée préconçue de ce que vous cherchez, de la direction à suivre dans ce programme ? Oui, effectivement, d'idée préconçue, je n'avais pas d'idée préconçue du tout lorsque j'ai commencé la recherche, puisque j'étais perdu dans la nature des documents de l'histoire coréenne que j'utilisais pour cette série littéraire. Donc j'ai tout effacé et je me suis dit on va reprendre tout de zéro et lancer la recherche. Alors, les sources, vous les connaissez, ce sont les sources classiques chinoises, japonaises, coréennes, l'ethnologie vivante que j'ai faite, c'est-à-dire l'acquisition d'informations au milieu des Asiatiques avec lesquels je vivais, de mes amis, de ma famille adoptive. Alors, ensuite, la recherche, pour ce qui est de la méthodologie, comment je m'y suis pris ? Ben, je suis revenu à la base. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui ne sait rien de rien. J'avais déjà lu un bon nombre de sources secondaires, c'est-à-dire les essais, par exemple, sur l'histoire, la culture. Et ensuite, je suis remonté aux sources primaires. Les sources primaires, ce sont les documents les plus anciens. Ce sont ces documents les plus anciens qui m'ont mis sur la voie. Donc, j'ai lu tous les documents de ces pays pour avoir une image statistique de l'histoire de l'Asie. Donc j'ai lu tout ce qui était disponible sur l'histoire de l'Asie, c'est-à-dire depuis moins 2000 jusqu'à 1945, et ça m'a pris à peu près 10 ans. Sans analyse, donc il n'y a pas d'analyse, c'est juste simplement ingurgiter de l'information. Donc en ayant cette masse d'informations, j'ai eu une image nette du passé de l'Asie, et à travers l'outil statistique, j'ai pu déterminer la période historique qui me semblait la plus importante, la plus critique, celle sur laquelle il fallait insister, et c'est celle sur laquelle j'ai publié, c'est-à-dire la période entre le 3e et le 7e siècle de notre ère, dans la région qui est celle de la Corée du Nord, Corée du Sud, Chine et Japon, donc l'Asie du Nord-Est. Je suis allé dans le détail pour ce qui concerne cette période et cette région géographique, et j'ai ainsi donc pu dégager le principe de Peltier. Donc, le principe de Peltier remet dans l'ordre chronologique l'histoire de toute cette région et l'unifie dans une seule et même histoire. Donc aujourd'hui, grâce à cette méthode qui est simple et pénétrante et qui repose sur les sciences exactes, j'ai parlé des maths, j'ai parlé des statistiques, mais cette façon d'organiser la recherche permet de remettre tout de manière chronologique et logique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas des histoires nationales qui se contredisent. On peut considérer qu'aujourd'hui, on peut penser aujourd'hui qu'on a une histoire continentale asiatique qui tient d'un seul tenant logique, cohérent et rationnel. Comment financez-vous ce programme ? Oui, pour ce qui est du financement, le financement est privé et personnel. C'est-à-dire que tout le programme de recherche, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, est financé sur mes fonds propres ou ceux de mes amis, de ma famille, avec même un emprunt que j'ai fait à ma banque en 2008. Vous voyez, donc c'est entièrement privé et personnel. C'est le soutien de tous mes proches qui ont compris le sens et l'intérêt de cette recherche et ce que ça peut apporter non seulement aux pays concernés, c'est-à-dire les pays de l'Asie du Nord-Est, mais même à nous-mêmes, tant en Afrique qu'en Europe et dans les Amériques. D'où provient ce nom de Peltier ? Dans votre article, vous préférez celui de Koudara. Pourquoi ? Alors, Peltier, le nom Peltier qui a été accolé à ce royaume qui a disparu en 668, vient des textes anciens chinois. Donc, ce sont les Chinois qui ont inventé ce mot de Peltier pour effacer le passé de ce peuple africain qui est le fondateur de l'État du Japon actuel, celui que vous connaissez au XXIe siècle. Donc, je garde le nom de Peltier pour pouvoir faire oublier
tout ce qu'on sait de Pecchier jusqu'à l'article et surtout le rattacher à la vérité que nous avons découvert. Donc je garde quand même le nom de Pecchier. Mais son vrai nom, son véritable nom, c'est Kudara, puisque c'est le nom qui est utilisé par les scientifiques japonais. Et ils traduisent Kudara par le pays des Noirs. Kudara en japonais, ça veut dire le pays des Noirs. Donc Kudara et Pekché font référence à un seul et même peuple. Donc dans le principe de Pekché, le grand secret d'Asie, nous découvrons ce sont des savants guerriers qui diffusèrent la civilisation dans cette région d'Asie du Nord-Est, en particulier. Donc il en résulte par exemple le royaume de Pekché ou Kudara, qui fut selon vous la plus grande civilisation de toute l'histoire de l'Asie. Donc qui était-il et surtout d'où venait-il exactement? Oui, alors ça c'est une question intéressante. C'était même une question centrale pour comprendre comment la civilisation est née en Asie et surtout comment elle s'est diffusée. Alors, ces personnages que vous avez appelés à juste titre des savants guerriers sont justement ces Africains-là, non, ces Africains qui faisaient partie de ces populations qui ont peuplé l'Asie depuis le début de l'humanité, aussi longtemps qu'on remonte, c'est-à-dire pour revenir à l'histoire de l'Asie, jusqu'à moins 2000 avant notre ère. La majorité de la population est, on va dire aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, de race noire et de culture africaine, nous l'avons démontré. Alors, ces moines savants, qui sont-ils? Ce sont donc ces personnages qui vont se déplacer parfois sur de longues distances pour les raisons suivantes. Par exemple, ils vont se déplacer d'une communauté ou d'un royaume à un autre. Ou lorsque les royaumes sont détruits parce qu'ils font la guerre, contre l'ethnie Han et ses alliés, ceux qui vont devenir plus tard les Chinois, ils se déplacent donc pour protéger leur vie, pour sauver leur vie. Ils vont se déplacer d'ouest en est en général, et ils vont arriver dans de nouveaux royaumes qui ne sont pas de culture africaine. Et ces moines guerriers donc ont des connaissances dans tous les domaines, que ce soit en mathématiques, physique, chimie, mais aussi en droit, dans les arts. Ils parlent plusieurs langues. Ils connaissent évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui les classiques chinois, qui sont par exemple le livre des changements ou les livres de philosophie qu'on attribue par exemple à Confucius. Mais tous ces personnages qu'on dit chinois sont des Africains. Toute cette connaissance philosophique est africaine et a simplement été sinisée selon le processus que j'ai expliqué précédemment, qui est celui de l'ethnicisation chinoise, donc de la sinisation de la civilisation noire d'Asie. Donc ces moines savants vont jouer un grand rôle dans l'implantation de cette civilisation africaine dans la région qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire l'Asie du Nord-Est. Tout ce qui concerne tout ce qui touche aujourd'hui, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et je vais laisser la Chine de côté parce que la Chine est africaine jusqu'au 7e siècle. Ce sont ces moines savants qui font arriver en petit nombre, ce sont des petits groupes de gens, ce n'est pas toute une population. Ce sont c'est quelques dizaines, quelques centaines de personnes au maximum, mais qui ont un bagage intellectuel complet. Quand ces personnages arrivent dans cette péninsule, dans cette région péninsulaire, ils sont capables, avec les seules connaissances qu'ils ont, de changer le destin d'un royaume en quelques décennies. C'est vraiment extraordinaire parce que les connaissances, il y a un écart incroyable entre ce fond culturel africain et puis les connaissances de ces peuples asiatiques de race blanche qui vivaient dans cette péninsule-là. Donc c'est la rencontre de ces deux peuples-là qui va générer la naissance d'une nouvelle culture et l'émergence de ces royaumes que nous connaissons et que nous étudions aujourd'hui, mais que nous ne connaissons pas dans leur véritable nature. Donc savants pour les raisons que je viens de donner et guerriers parce qu'ils sont également des spécialistes de la guerre. Je rappelle que contrairement à ce qu'on peut penser au 21e siècle, l'Afrique et les peuples noirs de manière générale ont une longue tradition guerrière. Mais la guerre et surtout tuer des êtres vivants ne fait pas partie des traditions. Donc ce sont des techniques de self-defense, comme par exemple les arts martiaux, qui sont intégrés dans la culture, c'est-à-dire que tout le monde les connaît, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste.
c'est vraiment, ça fait partie du quotidien, c'est comme savoir faire la cuisine ou savoir parler sa langue. Donc ce sont également ces arts martiaux que ces savants, ces petits groupes de personnes qui vont se déplacer d'ouest en est dans cette région du nord-est, donc jusqu'au Japon, qui vont donc par exemple créer les premières écoles les premières écoles des arts martiaux en Chine, par exemple l'école de Shaolin, ça date du 3e, 4e siècle. Ce sont les Africains qui ont fondé ces écoles-là. Ils sont aujourd'hui présentés comme chinoises. Les Chinois n'ont rien à voir là-dedans. Et les preuves de ce que je dis se trouvent en Afrique. Pour ceux qui s'intéressent à l'Égypte pharaonique, que je mets entre guillemets, qui est l'Afrique en fait, toutes les preuves du développement des arts martiaux, ce qu'on appelle aujourd'hui le karaté, le judo, et toutes les toutes ces techniques sont connues au moins depuis 400 000 ans. Et quand je dis au moins, c'est parce que elles sont connues dans leur stade final. Il n'y a aucune différence entre ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui se faisait il y a 4000 ans. Ce sont les mêmes techniques, puisque ce sont les mêmes peuples qui se sont déplacés vers l'Est et qui ont créé des écoles et qui ont enseigné ces arts et ces techniques aux peuples asiatiques avec qui ils ont organisé une vie nouvelle. Donc ces moines savants sont à l'origine de l'installation, de l'émergence d'une nouvelle civilisation plus scientifique, plus spirituelle, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Nord, mais qui s'appelait Koguryo. Ça c'est au milieu, dans le dernier quart plutôt du 4e siècle. Ce sont les mêmes personnages qui vont arriver dans la péninsule coréenne et qui vont créer ce royaume que vous avez appelé Pekche, qui est un nom qui a été donné par les Chinois, mais qui est en fait Kudara. Kudara, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire sud-coréen, plus le territoire japonais. Ça faisait un seul et même royaume. Ce sont eux qui vont créer d'abord le royaume de Kudara, et ensuite le royaume de sa deuxième partie insulaire, sa partie maritime, qu'on appelle aujourd'hui le Japon. Voilà les personnages qui transportent la civilisation dans leur esprit, qui veulent la partager ou qui vont la partager avec les peuples qui vont les accueillir au début. Ça va durer le temps que ces Asiatiques de race blanche comprennent comment ça fonctionne. Ils vont en retenir ce qu'ils veulent retenir. Mais c'est surtout l'arrivée du peuple Han, ceux qui sont en fait les Chinois. C'est l'arrivée de la Chine et surtout sa politique impérialiste qui va changer la nature, qui va changer le destin de ces moines guerriers et ensuite toute cette population asiatique en fait qui est composée de personnes de race blanche et de race noire, pour utiliser le langage un peu du 21e siècle. La science est souvent évoquée dans votre travail. Il semble donc que depuis le début de notre ère au plus tard, entre l'Asie méridionale et du Sud-Est d'une part, et les confins de l'Asie du Nord-Est, c'est-à-dire entre l'Inde et le Japon d'aujourd'hui, la connaissance en général et les sciences physiques en particulier sont un enjeu crucial. Merci pour cette question importante. Alors, quand on lit l'histoire de l'Asie, on nous raconte surtout les événements politiques et militaires, les guerres, les conquêtes. Non, l'Asie telle qu'on la connaît aujourd'hui a été structurée par la connaissance, par l'apport de la connaissance de ces moines guerriers dont j'ai parlé tout à l'heure, de ces savants guerriers qui ont apporté, qui ont révolutionné l'Antiquité de l'Asie. L'Antiquité de l'Asie, c'est, on va dire, à partir du premier millénaire de notre ère jusqu'au 7e siècle. Donc pendant ces 7-8 siècles, il y a des connaissances entièrement nouvelles qui arrivent dans cette partie d'Asie du Nord-Est qui concerne la Chine actuelle, la Corée du Nord, la Corée du Sud et le Japon. Mais c'est le cas également dans tout le reste de l'Asie, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est et plus après, enfin plus avant l'Inde. Alors, cette science, c'est le cœur de la spiritualité africaine. La spiritualité africaine consiste essentiellement et surtout de connaissances scientifiques, parce que ces connaissances scientifiques ont été développées pour répondre aux défis qui se posaient dans le quotidien de la vie des peuples africains en Afrique et également en Asie. C'est ça qui a donné naissance cette technique, ces matières que vous connaissez comme étant les mathématiques, la géométrie, la physique, la chimie et j'en passe. Alors, quel est donc ce rôle de la science
dans ces régions. Lorsque les moines savants, lorsque les savants guerriers progressent d'ouest en est en Asie, ils arrivent dans des royaumes qui n'ont pas ces connaissances, qui n'en ont même aucune idée. Donc l'arrivée de quelques personnes qui ont des connaissances en physique, en chimie, et quand je dis des connaissances, ce sont des connaissances qui sont plus élevées que celles du 21e siècle, je l'ai démontré dans l'article. Nous ne connaissons rien de nouveau. Donc leurs connaissances en physique, en chimie, en mathématiques, en géométrie, permettent de changer la vie quotidienne et même les perspectives de, tout, de n'importe quel royaume. Il suffit de quelques personnes et de l'autorité qu'on pourrait leur donner pour changer la vie d'un royaume en quelques décennies. Et c'est ce qui s'est passé avec le royaume de Kudara, qui a progressé en quelques siècles, qui en 3-4 siècles est devenu le royaume, qui est devenu le centre culturel de l'Asie. Alors, la science va être utilisée, mais va surtout être utilisée pourquoi ? Elle va être utilisée par ces peuples dont l'activité principale était de faire la guerre. La science va être utilisée pour prendre l'avantage sur les peuples voisins. Donc on va surtout utiliser la science comme outil de modification de la matière, c'est-à-dire la connaissance des mathématiques, la physique et la chimie. Voilà les trois éléments qui vont permettre à certains royaumes de prendre l'avantage militairement sur leurs voisins. Comment ? Ben en faisant, d'abord en améliorant les techniques de métallurgie, en expérimentant de nouveaux alliages, donc qui vont leur permettre de fabriquer des armes plus solides, plus légères, plus efficaces. Plus efficaces veut dire qu'ils vont pouvoir lancer leur vecteur beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de dégâts chez l'ennemi. Ils vont également changer leur technique parce que ça, c'est, tout ça va changer leur façon, leur approche de la technique militaire ou de l'art militaire. Donc c'est aussi la logistique. La logistique, c'est la statistique. Ils vont également changer leur façon d'organiser la guerre. Ils vont changer leur diplomatie. Ça va tout changer. Donc la science va permettre à ce peuple, dans leur créneau de la violence, d'être plus performant. C'est ce qui va faire qu'ils vont accueillir de temps plus allègrement, c'est-à-dire avec joie, de temps plus facilement et de temps plus volontairement, ces savants guerriers qui sont des Africains qui étaient déjà installés dans toute l'Asie depuis le début. Ils vont donc les accueillir et en espérant donc recevoir de leur part une transmission de ces connaissances scientifiques. Pour prendre l'avantage sur les territoires voisins. On remarque que votre modélisation de l'histoire authentique de l'Asie, qui est le principe de Pekché, souligne l'importance d'événements géopolitiques majeurs qui marqua cette antiquité et la lutte hégémonique entre les nations. De ce point de vue, que représente l'an 371 de notre ère ?